Et salut les guests, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui pour moi, eh ben, ça sera la dernière en pass annuel à Disneyland Paris. Et oui, j'arrête le pass annuel, je vous explique tout. Et voilà les nachos qu'on peut retrouver donc à Disneyland Paris. Alors vous trouvez ça au niveau de entre le Silver Spur et le Trait de la Mine, donc BTM. Alors c'est ni plus ni moins de la sauce Heinz, donc on peut retrouver dans les rayons du monde, comme à Auchan ou ailleurs. J'en avais déjà acheté, donc ils sont pas foulés. J'aurais préféré quand même une vraie sauce cheddar avec une petite louche comme ça pour bien napper tous les nachos, mais ben non. Et puis dessus, les petits oignons frits qu'on retrouve aussi partout. Donc je pense qu'on peut faire même mieux à la maison pour moins cher. Alors le truc qui est vachement dommage aussi, c'est que en fait de la sauce Heinz là, vous avez avec les oignons frits, vous l'avez juste un peu au-dessus, mais en dessous, il n'y a rien. Donc en fait, une fois que vous avez mangé le dessus, ben, c'est simplement des tortillas simples. Quoi. Voilà. Et il n'y a pas du tout de remise PA. Voilà, si vous avez passe annuel, ben, il n'y a pas de remise là-dessus. Donc 6 balles, bon.
Et donc voilà la nouveauté au Hanai Diner, donc au Disney Village, le Shogun, 23€. Donc c'est un pain aux épices et au cumin noir, steak haché de bœuf charolais, comté fondu au saké. Bon, on va voir si ça apporte quelque chose. Sauce au baie de Sichuan, donc bœuf séché et mariné, donc avec la soja, du saké, gingembre et coriandre, mayonnaise yuzu wasabi, roquette, salade de chou blanc comme dans tous les restaurants japonais d'ailleurs, et avec des carottes et du daikon cresse, donc ça c'est un radis asiatique, accompagné de frites de patates douces, et le vrai il se trouve juste là. Donc, je vais juste ouvrir légèrement pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Donc voilà. Alors, on voit le fromage, il a bien coulé partout. Voilà, il n'y aura plus qu'à déguster. Les frites de patates douces qu'on connaît bien. Voilà, donc je me suis posé là quasiment à l'entrée où il y a le bordel, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc je me suis posé 5 minutes pour vous parler pourquoi je ne prends plus de passe annuel, et cela pour plusieurs raisons. Alors la première des raisons, bah déjà ça va être le prix, voilà, quasiment 700 balles si on veut prendre le passe or, donc ça fait vraiment très cher. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des passes pour les enfants aussi, et on pouvait prendre le Magic Plus, et nous on prenait le passe Infinity. Dans ces deux passes là, il y avait les moments de magie en plus. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si vous prenez le pass Silver, il n'y a pas de moment de magie, il faut prendre le pass Gold. Donc imaginez-vous, x4, 700€, ça commence à faire très très cher. Donc déjà, les enfants, on leur a dit qu'il n'y aurait plus de pass annuel pour eux. Et puis, en réfléchissant bien, je ne pense pas que cette année, ça vaut le coup au final de prendre un pass annuel. Pourquoi ? Déjà parce qu'on va arriver l'été, et l'été, on sait qu'il va y avoir les JO. Donc le parc va être surblindé, à mon avis. Même sûr, donc pour y profiter et même faire des vidéos, ça va être très compliqué. Deuxièmement, après Halloween, moi honnêtement, je viens pas ici Halloween parce que Halloween c'est toujours la même chose depuis des années, ça change pas à Disney. Noël c'est pareil, hein. Bah, même si Noël à Disney ça reste quand même féerique, et puis c'est la période que je préfère honnêtement à Noël. Voilà, après mois de janvier, je pense qu'on reviendra au mois de janvier, mais cette fois-ci avec un hôtel, parce que au mois de janvier c'est là où c'est le moins cher. Et puis après, en général, nous, notre passe vont jusque juin et juillet. Donc voilà, on arrivera quasiment à la fin de l'année. Il n'y aura pas de grandes nouveautés. En sachant que le studio est blindé de palissades, donc parce que il est en train d'être fait. Le parc également principal, il y a beaucoup de palissades, etc. Donc on va plutôt attendre cette année, tranquille. On ne va pas prendre de passe. Et on va profiter d'autres parcs. Donc je vous ferai des vidéos dans d'autres parcs que je n'ai jamais fait. Et on va laisser Disney un petit peu en stand-by. Donc c'est pour cela que je ne reprendrai pas donc un pass annuel. Et j'espère qu'on retrouvera d'autres avantages aussi dans les passes, parce qu'on nous en a enlevé quand même pas mal. Et ça aussi, c'est vrai que c'est assez pénible, surtout qu'on monte le prix, mais on enlève les avantages. Donc, tout ça mis bout à bout, voilà. Cette année, on ne prendra pas de pass annuel. On ira jusqu'au mois de juillet. Enfin, moi, je ne vais pas jusqu'au mois de juillet. Peut-être qu'on viendra encore une fois, mais c'est pas sûr. Said and what you believe, but I'm wanting more, can't help longing for your love. Time and again you're let down by him, then you turn to me to ask my advice, and I'm there for you to help you through all the heartache he is causing you. I wish you could see just how good I'd be for you. I keep on waiting for life to begin, for you to love me the way you love him. Seasons change, but my long days no way.
to me and you look at me the way I see you. But then I wake again and we're still just friends. Oh, I want you so I just can't let go. Why can't you see you will always be the one? Oh voilà, on s'est mis assis où on peut retrouver la fleur de lys, donc le bar, derrière le restaurant. Donc ça fait une grande enceinte. Hein. Alors, vous avez vu le plafond bleuté, que ça c'est super beau. Et c'est super apaisant. On entend la petite musique de La Belle et la Bête. Franchement c'est top. Alors on est encore plus dans l'univers Disney que dans les autres hôtels, ça c'est clair. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de laisser le petit pouce bleu, ça me donne de la visibilité, de vous abonner et de laisser des commentaires si vous aussi vous avez arrêté le pass annuel. Allez, maintenant je vous laisse.